l'année 1462. Constantinople était tombée. Les Turcs musulmans répandirent en Europe leur armée conquérante, attaquant la Roumanie, menaçant toute la chrétienté. En Transylvanie surgit un chevalier roumain de l'ordre sacré du dragon sous le nom de Draculia. À la veille de la bataille, sa promise, Elisabetta, qu'il chérissait plus que tout au monde, comprit qu'il devait affronter une force insurmontable et qu'il risquait de ne jamais revenir. Les Turcs vindicatifs envoyèrent jusqu'au château une flèche qui proclamait à tort la mort de Dracula. Elisabeth, persuadée de sa disparition, se précipita dans le fleuve. C'est mort. Plus rien n'existe sans lui. Puisse Dieu nous unir au paradis.
J'ai fait tout ce que vous avez demandé, maître. Tous les préparatifs sont achevés. Tout est prêt. Je suis à votre service. Parce que je sais que... Quand vous distribuerez les récompenses, je ferai partie de ceux qui bénéficieront de votre générosité. Merci. Démon, Renfield a perdu la tête. La tête est le sens des affaires, le pauvre homme. Je veux que vous vous chargiez de son client étranger, ce noble plutôt excentrique, le comte Dracula. Il veut acquérir des propriétés près de Londres. Bien sûr, monsieur. J'assisterai le comte. Merci de votre confiance. C'est une superbe opportunité pour vous, Harker. Mais vous devez partir immédiatement pour la Transylvanie. De pareilles occasions ne se présentent qu'une fois dans une vie. Oui, bien sûr, monsieur. Si je puis me permettre... Qu'est-il réellement arrivé à M. Renfield en Transylvanie? Mais rien. Rien du tout. Des problèmes personnels. Concluez cette transaction et votre avenir au sein de cette firme sera assuré. Oui, monsieur. J'y apporterai toute mon attention. Nous avons tant attendu, n'est-ce pas? Nous pouvons nous marier à mon retour? Bien entendu. J'écrirai. Jonathan. Je vous aime, Jonathan. Je vous aime aussi, Mina. Budapest. Et quitter Budapest à l'aube ce matin. Il me sembla que nous quittions l'ouest et pénétrions dans l'est. Le district où je dois me rendre est à l'extrême est du territoire, juste à la frontière de trois États, la Transylvanie, la Moldavie et la Bucovine, au milieu de la chaîne des Carpates, un des fragments les plus sauvages et les plus inconnus de l'Europe. Mon ami... Bienvenue dans les Carpates. Je suis impatient de vous connaître. Au col de Borgo, ma voiture vous attendra afin de vous mener jusqu'à moi. Je souhaite que votre voyage depuis Londres se soit déroulé dans la joie et que vous vous félicitiez de votre séjour dans mon beau pays. Votre ami D. Journal, 25 mai. Mon cher Jonathan est parti depuis près d'une semaine. Et j'ai beau être déçue que nous n'ayons pu nous marier avant son départ, je suis heureuse qu'on lui ait confié cette importante mission. Je me languis d'en apprendre davantage. Quel bonheur ce doit être de voir des contrées nouvelles. Je me demande si nous, je veux dire Jonathan et moi, les visiterons jamais ensemble. Nous sommes en avance, cocher. Il n'y a personne. Pentru că morții umblă repede. Thank you.
est-il loin? Ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. Comte Dracula ? Je suis Dracula. Et je vous souhaite la bienvenue, monsieur Harker, dans ma résidence. Je vous prie. Veuillez m'excuser de ne pas me joindre à vous. Mais j'ai déjà copieusement dîné. Et je ne bois jamais de vin. Un de vos ancêtres ? Il y a comme une ressemblance. L'emblème des Dracules. D'un dragon. Une ancienne société à laquelle mes aïeux avaient prêté serment de défendre l'Église contre tous les ennemis du Christ. Cette relation ne fut pas totalement triomphante. Oh, je vois. Est-ce là la chose dont vous vous moquez? Nous, Dracules, sommes des hommes d'honneur. Quel démon ou sorcier est plus fameux que le grand Attila dont le sang coule dans ses veines? Le sang. Est trop précieux et rare pour qu'on les gaspille. Le temps n'est plus à la guerre comme autrefois. Les victoires de mes nobles ancêtres devraient entrer dans la légende. Je suis le dernier de mon espèce. Je vous ai offensé par mon ignorance, monsieur le comte. Veuillez me pardonner. Je suis impatient de flâner le long des rues animées de votre puissante Londres, en plein cœur de l'agitation exaltante de l'humanité. Dégoûter sa vie, ses mouvances, ses morts. Voilà. Monsieur le comte, vous... possédez à présent l'abbaye de Carfax à Purfleet. Toutes mes félicitations. Vos associés tiennent vos talents en haute estime. Ils disent que vous êtes un homme de bon... goût. Et
que vous saurez vous montrer digne de votre prédécesseur, Monsieur Renfield. Soyez-en assuré, Monsieur le Comte. Pardonnez ma curiosité, mais pourquoi 10 maisons à des endroits aussi précis autour de Londres, dans le but de réaliser une plus-value ? Croyez-vous en la destinée ? Croyez-vous que même les pouvoirs du temps peuvent être modifiés dans un unique but ? L'homme le plus heureux de cette terre est celui qui trouve le grand amour. Le portrait de Mina. Je croyais l'avoir perdu. Nous devons nous marier dès que je serai de retour. Êtes-vous marié, monsieur le comte ? Monsieur ? Êtes-vous marié ? Je te mariais autrefois. Il y a une éternité, il me semble. Elle est morte. Oh, vous m'envoyez navré. Elle a eu de la chance. Moi, je n'ai vu au mieux que dans la misère. Elle fera, n'en doutez pas, une épouse dévouée. Et vous, un conjoint fidèle. Alors. Écrivez maintenant, mon ami, à votre firme. Et à tous ceux que vous aimez, dites-leur qu'à votre satisfaction, vous restez avec moi. Jusqu'à ce qu'un mois soit révolu. Un mois ? Dois-je vraiment rester si longtemps ? Pas question que vous refusiez. Journal, 30 mai 1897. Je sais que Jonathan ne veut pas que je séjourne ici, avec Lucie, en son absence. Il pense que si je m'habitue à la fortune et aux privilèges de la famille Westin, je ne pourrai me contenter d'être la femme d'un simple clerc de notaire. Mais Lucie et moi sommes amies d'enfance, et elle ne m'a jamais reproché de n'être qu'une institutrice. Répugnant. Mina ! Mina ! Oh, tu travailles continuellement. Est-ce ton ambitieux John Harker qui t'oblige à étudier cette ridicule machine ? Alors qu'il pourrait t'obliger à te livrer à des actes de passion désespérés, absolument indicibles sur le plancher du parloir. Lucie, vraiment ? Tu ne devrais pas parler de mon fiancé de cette façon. Un mariage, c'est beaucoup plus que les plaisirs de la chair. Oh, oh, Mina ! Je vois, oui, beaucoup, beaucoup plus. Oh, oh, c'est... Oh, oh mais qu'est-ce donc, Lucie ? Parce que je n'y entends rien. Est-ce qu'un homme et une femme peuvent réellement faire ça ? Je l'ai fait. Pas plus tard qu'hier soir. Tu es fabuleux, je sais que non. Puisque je te le dis. Oh. Enfin, dans mes rêves. Oh. Jonathan me semble être à la hauteur, non? Tu peux tout dire à Lucie. Il m'a embrassée, rien d'autre. Il se trouve trop pauvre pour m'épouser. Et j'aggrave encore les choses en venant passer quelques jours à Illingham. Ma riche amie. Riche, mais sans même une seule demande en mariage. Oui, c'est tout moi, bientôt 20 ans. Et presque une sorcière. Oh, regarde. Mais qu'est-ce donc ? Un Texan. Quincy P. Morris. Il est si jeune, si frais. Comme un fougueux étalon entre mes jambes. Tu es positivement indécente. Je sais ce que les hommes désirent.
serve. Oh, Lucie. Quincy, trésor. Mademoiselle Lucie, vous êtes aussi fraîche qu'une rosée de printemps. Oh, merci. Oh, Quincy. Oh, je vous en prie, laissez-moi la toucher. Elle est tellement longue. Petite fille. Oh, ma tendre et douce petite fille. Je vous tiens la main. Et vous m'avez embrassée. Jack! Des océans d'amour. Oh, oh, Jack, mon chéri. Oh, mon pauvre bébé. Oh, mon chou, venez par ici. Venez par ici que je vous couvre de baisers. Mon pauvre petit arbre en fleurs. Oh, mon pauvre petit docteur. Merveilleux docteur. Bonsoir, Quincy. Jack. Oh, quel méchant gros ours. Laissez-moi prendre Arthur Holmour, Esquire. Arthur. Oh, mon chéri. Vous êtes resplendissant. Navré pour votre chapeau. Vous, absolument. Ça vous plaît? Absolument. C'est charme. Ma robe serpent. Oh, vraiment? Lucie est une jeune fille pure et vertueuse. Mais j'admets que son franc-parler me scandalise parfois. Heureux de vous voir. Jonathan prétend que l'un des défauts des aristocrates est qu'ils disent ce qui leur chante. La vérité est que j'admire Lucie et que je ne m'étonne pas de voir les hommes lui tourner autour. J'aimerais être aussi jolie et aussi courtisée qu'elle. D'homme est-ce là? R. M. Renfield. Remarquable avoué de l'étude Hawkins et Tompkins, membre respecté du Wyndham Club de Lord Nugent, revient d'un voyage d'affaires en Transylvanie et perd brusquement et totalement ses facultés mentales. Il souffre à présent d'une sorte d'obsession sanguinaire. George. Vous m'attendrez. Puis-je vous offrir un hors d'œuvre, Dr. Sword, ou un canapé? Non, merci, Monsieur Renfield. Comment vous portez-vous ce soir? Beaucoup mieux que vous, pauvre docteur amoureux. Oh, ma vie privée vous intéresse donc? Bien sûr que oui. Toutes les vies m'intéressent. Votre façon de vous alimenter est répugnante. Oh, cela dit, c'est merveilleusement nutritif. Voyez-vous, chaque vie que j'ingère me redonne de la vie. Une mouche vous redonne vie. Sir, vous obtiendriez d'un homme qu'il déguste une molécule avec des baguettes avant de pouvoir m'intéresser aux carnivores inférieurs. Je vais devoir inventer une nouvelle classification de démons pour vous. Pourquoi pas des araignées? Les araignées mangent les mouches. Oui, elles les mangent également. Pourquoi pas des moineaux? Oh oui. Avez-vous dit moineaux? Ou peut-être de plus gros animaux? Oh oui. Un chaton. Oh pitié. Un doux chaton. Qu'aimerais jouer, que je pourrais dresser, que je pourrais nourrir. On ne peut pas me refuser un chaton. Ne préférez-vous pas un chat? Oh, un chat, oui, un chat, bien gras. Oui, parce que mon salut en dépend, mon ami. Votre salut? Oui, il me faut des vies. Il me faut des vies pour le maître. Le maître? Mais quel maître? Le maître viendra. Il a promis de faire de moi un immortel. Et comment? Le sang est la vie! Le sang est la vie! 30 mai, château de Dracula. J'ai des pensées étranges que je n'ose confesser à ma propre conscience. Le comte, la façon dont il a regardé le portrait de Mina m'emplit d'effroi. Comme si j'avais un rôle à jouer dans une intrigue qui m'est inconnue.
Je ne vous ai pas entendu arriver. Prenez garde, on se blesse si facilement et c'est plus dangereux que vous ne le pensez. Reflet putride des vanités humaines. Mieux vaut vous laisser pousser la barbe. Les lettres que je sollicitais, les avez-vous écrites? Vous arrivez de quitter ces appartements. N'essayez sous aucun prétexte de trouver le sommeil dans quelque autre pièce de ce château. Il est vieux. Il est peuplé de mauvais souvenirs. Je vous aurais prévenu. Je comprends, soyez-en assuré. N'ayez pas foi en de tels breloques mensongères. Nous sommes en Transylvanie et la Transylvanie n'est pas l'Angleterre. Nos usages ne sont pas vos usages. À vos yeux, beaucoup de choses vont paraître insolites. De nombreuses choses m'ont paru insolites durant ce voyage. Une meute de loups sanguinaires à ma poursuite dans un bleu infernal. Écoutez-les donc. Ils sont les enfants de la nuit. Quelle douce musique, n'est-ce pas? De la musique? Ce sont des monstres! Je suivis les instructions de Dracula. Je rédigeai trois lettres. À mon étude, à ma famille et à ma bien-aimée Mina. J'ai dissimulé mes craintes car il les lira sans aucun doute. Je sais à présent que je suis prisonnier. Thank you.
Très chère Mina, tout va bien ici. Le comte a insisté pour que je reste un mois, afin de lui enseigner les coutumes anglaises. Je ne peux rien dire de plus, à part que je vous aime. À jamais fidèle, Jonathan. Les lettres que j'ai écrites ont sans aucun doute scellé ma perte. Les bohémiens du comte. D'intrépides guerriers dévoués jusqu'à la mort à tous les nobles qu'ils servent. Besognant jour et nuit, ils emplissent des caisses de terre décrépites arrachées aux entrailles du château. Elles doivent être expédiées à l'abbaye de Carfax qu'il vient d'acquérir à Londres. Pourquoi emplissent-ils ces caisses de terre ? Avec sa longue là. Oh non, c'est mon très cher numéro 3, Lord Arthur Holmwood, Lord et Lady Holmwood. Et tu seras ma demoiselle d'honneur, oh dis oui. Mina, mais qu'y a-t-il? C'est le plus éclatant, le plus beau jour de ma vie. Tu ne sembles pas t'en réjouir. Je suis seulement si affreusement inquiète pour Jonathan. La lettre que je viens de recevoir est si froide, si artificielle, ça ne lui ressemble pas du tout. Oh, Mina, ne t'en fais pas. Livre de bord du capitaine. Le Déméter, 27 juin 1897. Avons chargé 50 caisses de terre expérimentales à destination de Londres, en Angleterre. Avons pris la mer à midi au cœur d'une tempête qui semblait venir de nulle part, nous entraînant vers le large. A disparu. Approchons de Gibraltar. La tempête se poursuit. Équipage inquiet, persuadé que quelqu'un ou quelque chose est à bord du navire avec nous. Je suis ici pour exécuter vos ordres, maître. Je vous ai vénéré de tout.
cas de Renfield devient plus intéressant. Car il y a de la méthode à sa psychose, avec ses mouches et ses araignées. Connais-je le secret d'un seul esprit aussi magnifique? La clé de la folie d'un seul forcené? Tu as rêvé. Tu as encore marché dans ton sommeil. Oh, mon âme ! Chut ! Quittez mon corps. Calme-toi. Jamais je n'avais souffert un tel supplice de tout ça. Je ne pouvais te rejoindre. Je tremble tellement. Calme-toi, Lucie. Tu as rêvé. Il fallait qu'il m'a comme attiré et envoûté. Je ne me contrôlais plus. C'est fini. Chut ! Nous allons rentrer. Ses yeux étaient rouges. Chut ! Tout ça n'est qu'un mauvais rêve. J'ai encore le goût de son sang dans la bouche. Allez, on y va. Envoyez-la par ici. Je vais vous dépêcher un peu, monsieur. Maître ! Attention, mon pied ! Je suis ici pour exécuter vos ordres ! Maître ! Venez à moi ! Je vous vénère depuis toujours. Contrairement à certaines croyances, le vampire, comme toute autre créature de la nuit, peut se déplacer durant le jour, bien que ce ne soit pas là sa nature et que ses pouvoirs en soient affaiblis. Venez voir le prodigieux cinématographe.
miracle de la civilisation moderne. Une montée sensationnelle. La plus grande attraction du siècle. La nouvelle merveille du monde. Voyez-moi. Voyez-moi maintenant. La plus forte et la plus soudaine des tempêtes frappe l'Angleterre. Le loup échappé du zoo court toujours. Vous voulez le journal, monsieur ? Merci, monsieur. Demandez la gazette, seulement un penny. Mes plus humbles excuses. Veuillez pardonner mon ignorance. Excusez-moi, mais je viens d'arriver du bout du monde et je ne connais pas votre cité. Une si belle jeune fille a-t-elle le On droit... On peut se procurer un atlas des rues pour si peines, au plaisir. Je vous ai offensé. Je vais seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Si vous avez soif de culture, visitez plutôt un musée. Londres en regorge positivement. À présent, veuillez m'excuser. Une femme si charmante et intelligente ne devrait pas déambuler dans Londres sans son gentilhomme. Ai-je donc l'honneur de vous connaître ? Êtes-vous en relation avec mon époux ? Dois-je appeler la police ? Votre époux. Je ne vous importunerai plus. Monsieur, c'est moi qui me suis mal conduite. Si vous cherchez une rue... Je vous en prie. Permettez-moi de vous présenter mes hommages. Je suis le prince Vlad de Sakai. Un prince, rien que ça. Et je suis votre serviteur. Wilhelmina Murray. Honoré de faire votre connaissance, Madame Mina. Suivez-moi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Holmwood m'a dit de passer voir mademoiselle Lucie. Par ici, je vous prie. Le docteur Seward, mademoiselle Lucie. Merci. Oh, Jack ! Merveilleux Jack ! Est-ce que ça vous plaît ? C'est Arthur qui vous a mis ça en tête ? Ou souhaitiez-vous me voir seule encore une fois, avant mon mariage ? Lucie, vous m'embarrassez. C'est en médecin que je vous rends visite. Votre fiancé est très soucieux à votre endroit. Et je vous assure que le secret médical est sacré. Il me faut votre pleine confiance. Aidez-moi, Jack. Je ne comprends pas ce qui se passe en moi. Je vais changer. J'en ai l'intuition. J'entends le moindre son. J'entends les domestiques chuchoter à l'autre bout de la maison et la moindre souris fait autant de bruit qu'un éléphant. Mais je fais d'horribles cauchemars, Jack. Oh, ce regard. Oh, Jack. Je suis là, Lucie. Oh. Vous ne risquez absolument rien. Jack. Oh. Ça va vous apaiser. Oh, merci. Oh, Lucie. Oh, Jack, embrassez-moi. Oh. Ah.
que Mademoiselle Lucie est plus torride que les jeunes mariés chevauchant un feu dans la tenue d'Ève en plein Sahara. Je surveillerai mon langage de colonial à votre place. Bonsoir, Jack. Et comment se porte notre charmante patiente ce soir? Eh bien, franchement, Arthur, j'en perds mon latin. Jack, toujours le béguin pour Mademoiselle Lucie? Je ne peux que conclure à un mal probablement mental. Comme c'est curieux. Qu'en dites-vous, Quincy? Après avoir voulu l'épouser, voilà qu'il veut l'interner. Allons la voir, voulez-vous? Son cas me dépasse, je l'admets. J'ai pris la liberté de câbler à Abraham Van Helsing, le philosophe métaphysicien. Ça m'a tout l'air d'un foutu guérisseur, mon pauvre Jack. Abraham Van Helsing en sait plus sur les affections obscures que tout médecin au monde. C'est mon professeur et mentor. Faites-le vite. Faites-le venir. Ne regardez pas à la dépense. Hallucinant. Il n'y a pas de limite à la science. Comment osez-vous appeler cela une science? Croyez-vous que Madame Curie encouragerait de telles comparaisons? J'en doute fort. Je n'aurais pas dû venir. Il faut que je rentre. Ne me craignez pas. Non! Je vous en prie, arrêtez! Adore. Il y a beaucoup à apprendre des bêtes. Thank you.
Amie très chère, mourante. Maladie du sang, inconnue. Désespérément besoin d'aide. Jack Sourd. La chauve-souris vampire des pampas tropicales doit consommer 10 fois son propre poids de sang frais chaque jour, ou ses globules sanguins meurent. Adorable vermine, non? Le sang et ses affections. Oui, telles que la syphilis, voilà ce qui nous intéresse. Leur nom même de maladie vénérienne, les maladies de Vénus, leur attribue une origine divine. En fait, elles trouvèrent naissance dans tous les problèmes sexuels dont le règlement éthique constitue le fondement de la civilisation judéo-chrétienne. En fait, la civilisation et la syphilisation ont progressé de concert. Qu'est donc ceci ? C'est arrivé par télégraphe, monsieur. Le télégraphe ? Merci. Messieurs, je vous remercie. Ce sera tout. L'aube. Ce sont peut-être les derniers mots que j'écris dans ce journal. Dracula m'a livré à ses femmes. Ces sorcières de l'enfer. Elles me vident de mon sang pour m'affaiblir, m'ôter jusqu'à la force de m'évader. J'essaierai une dernière fois aujourd'hui de parvenir jusqu'au fleuve. Il doit bien y avoir un passage qui y conduit et me permettra ensuite de fuir cette terre maudite dont le diable et sa progéniture foulent le sol en humain. Pour mémoire, j'atteste qu'à partir de cet instant, moi, Abraham Van Helsing, je fus personnellement impliqué dans ces événements étranges. Professeur Van Helsing, comme c'est aimable à vous d'être venu. J'assiste mes amis dans le besoin lorsqu'ils m'appellent. Alors Jack, dites-moi tout sur votre patiente. Elle présente tous les signes habituels de l'anémie physique. Oui. Son sang ne semble pas anormal, mais il l'est pourtant. Elle perd chaque jour énormément de sang. Et j'en ignore la cause. Elle perd son sang ? Mon Dieu, fermez la fenêtre. Allez. Mon Dieu, ce n'est encore qu'une enfant. Oh mon Dieu. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut faire une transfusion tout de suite. Enlevez votre veste. Vous vous rappelez comment faire un garrot, n'est-ce pas? Ou avez-vous oublié? Vous avez mis au point une procédure? Mis au point? Non, j'ai seulement expérimenté. Méthode Landstein. Animaux, moutons, chèvres. Si le sang du donneur produit une hémolyse, ses globules rouges vont exploser. Elle mourra. Tenez, prenez ce tube. Au nom du ciel, mais que se passe-t-il ici? Voici le professeur Van Helsing, Arthur. Mon Dieu, mais que fait-il à Lucie ? Mais il s'efforce de lui sauver la vie ! Mon Dieu ! Vous êtes le fiancé ? Pardon ? Enlevez votre veste. Cette jeune fille est très malade, elle se meurt, elle veut du sang, elle aura du sang. Enlevez votre veste ! Remontez votre manche, Arthur. Mon
Vite, vite, vite. Votre manche. Ce sera peut-être douloureux, Arthur. Pardonnez-moi, monsieur. J'offrirai jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour vous sauver. La dernière goutte, réellement? C'est très généreux, je vous remercie. Cela dit, je ne vous en demande pas tant. Pas encore. Tenez-la. Mais Jack, cette pauvre créature vient déjà de recevoir le sang de deux hommes. Par tous les saints, son corps ne peut contenir autant de sang à lui seul. Comment l'a-t-elle perdu? Excellente question, monsieur Morris. Ces marques sur sa gorge. Aucune maladie, aucune meurtrissure. Je suis sûr que c'est par là qu'elle a perdu son sang. Ah, et où est passé le sang? Vous étiez un étudiant brillant, Jack. Soyez perspicace. Où est passé le sang? Dites-le-moi. Son matelas devrait en être couvert. Exactement. Vous ne laissez ni vos yeux voir, ni vos oreilles entendre ce que vous-même ne pouvez comprendre. Et une chose s'est introduite près d'elle, lui a sucé le sang, et s'est envolée, je suppose. Oui, peut-être. C'est remarquable. C'est absolument remarquable. L'un de vous deux, docteur médecin ou quoi que vous soyez, daignerait-il me dire de quoi souffre ma Lucie? Jack, vous êtes un scientifique. Cet univers n'est-il pas rempli de choses échappant à toute tentative d'explication, le mesmérisme, l'hypnose, vous et Charcot les champs démontré l'hypnose, la matérialisation, le corps astral. Professeur? Bon Dieu, où peut-il être? Vous voyez? Je me sens aussi empoté qu'un novice. Messieurs, nous ne combattons pas ici une maladie. Ces marques sur la gorge de Lucie ont été faites par une chose indicible et étrangère. Morte, mais non morte. Elle nous traque dans un but effrayant qui m'échappe encore. Pour vivre, elle se nourrit du sang de Lucie. C'est une bête, un monstre. Qu'arrive-t-il donc à Lucie et à moi? Quand j'étais plus jeune, j'ignorais ce trouble. J'aimerais redevenir moi-même, la Mina rationnelle sur laquelle je pouvais toujours compter. L'absinthe est l'aphrodisiaque de l'âme. La petite fée verte qui vit dans l'absinthe, convoite votre âme. Mais vous êtes en sécurité avec moi. Parlez-moi, prince. Parlez-moi de votre pays. Le pays le plus magnifique de toute la création. Oui. Il doit l'être. Un royaume au-delà d'une grande et vaste forêt. Et bordé de majestueuses montagnes. De luxuriants vignobles. De fleurs si frais, mais d'une telle beauté qu'elles sont absolument sans pareil. Vous décrivez mon pays comme si vous l'aviez vu de vos propres yeux. C'est votre voix, il me semble. Si
familière. On dirait une... On dirait une voix dont je rêve sans la reconnaître. Et qui me réconforte lorsque je suis seule. La princesse. Il y a toujours une princesse. Flottant dans sa robe blanche. Oh, son visage. Mon Dieu. Son visage. Est une rivière. La princesse, c'est une rivière de larmes, de tristesse et de désespoir. Il y avait une princesse. Elisabeth. La femme la plus radieuse de tous les empires du monde. La fourberie humaine l'enleva autrefois à son prince. Elle choisit la mort en se précipitant dans le fleuve dont vous venez de parler. Dans ma langue maternelle, on le nomme Anuesh. Le fleuve princesse. Madame, votre fiancé est sain et sauf et au bon soin des sœurs du Saint-Sacrement. Monsieur Harker est persuadé que votre vie même est en grand danger et il désire que vous le rejoigniez ici de toute urgence afin que l'on puisse immédiatement vous unir. Bien à vous avec notre bénédiction, sœur Agatha. Mon beau prince, Jonathan ne doit jamais savoir. Lucie ? Lucie ? Abraham Van Helsing. Oh, docteur Van Helsing. Vous êtes Madame Mina, grande amie de notre Lucie, non ? Comment va-t-elle, docteur ? Elle est encore très faible. Elle m'a parlé de votre bien-aimé Jonathan Harker et de votre inquiétude pour lui. Je m'inquiète, moi aussi, pour tous les jeunes amants.
La vie est pleine de ténèbres, mon enfant, et de soleil. Et vous êtes l'un des soleils, chère Mina, le soleil de tous les soleils. Courez vers votre ami. Mina. On dirait que tu as changé, Mina. Tu es positivement radieuse. Tu as reçu des nouvelles de Jonathan, n'est-ce pas? Oui. Oui. Il est sauf, Lucie. Il est dans un couvent en Roumanie. Il souffre d'une violente fièvre cérébrale. Les bonnes sœurs qui s'occupent de lui m'ont écrit pour me dire qu'ils désirent que je vienne. Mais je m'y refuse. Je ne vais pas t'abandonner. Mina, vous devez rester ensemble. Et vous devez vous aimer. Vous devez vous unir sur le champ. Et emporte ceci, ma chère sœur. Non. C'est mon cadeau de mariage. Je t'en prie, Lucie, non. Ne t'en fais pas pour ta pauvre et riche Lucie. Je ne risque rien. Dis à Jonathan combien je l'aime. Jeff, Quincy, comment va-t-elle? C'est médicinal, pour vous aider à dormir et à ne pas faire de cauchemar. C'est de l'ail! Je n'ai rien d'autre que de l'ail! Lucie, Quincy est là. Quincy est venu vous voir. Apportez-lui un brandy. Mademoiselle Lucie, reposez-vous, mademoiselle Lucie. Arthur m'a demandé de prendre soin de vous. Il dit que si vous ne vous rétablissez pas vite, je devrais mettre fin à vos souffrances, comme on abat un cheval. Quincy, vous êtes tellement bestial. Embrassez-moi, Quincy. Embrassez-moi. Embrassez-moi. Ne restez pas là. Espèce de vieux fou. Arrêtez, voyons. Lâchez-moi. Pardon, Jack. Lucie, écoutez-moi. Dormez, dormez à présent. Dormez. Venez voir ça. Regardez. Regardez ses dents. Regardez. Ici. Et ici, il y a Nosferatu. Voici le récit de la révoltante et effroyable histoire de ce fou sanguinaire, le prince Dracula. Comment il empalait ses ennemis, les faisait rôtir, faisait bouillir leurs têtes dans un chaudron, les écorchait vifs, les découpait en morceaux et buvait leur sang. Ya Dracul. Le sang de Lucie est la vie. Très cher prince, pardonnez-moi. J'ai reçu des nouvelles de mon fiancé en Roumanie. Je suis en route pour le rejoindre. Nous devons nous marier. Je ne vous reverrai jamais. Mina. Curieusement, j'ai presque l'impression que mon étrange ami est à mes côtés. Il me parle à travers mes pensées. Auprès de lui, je me suis sentie plus vivante que jamais.
Et à présent, loin de lui et bientôt mariée, je me sens troublée, perdue. Peut-être que malgré mes efforts pour être bonne, je suis mauvaise. Peut-être suis-je une femme mauvaise et frivole. Humain, un pouvoir colossal. Alors veillez bien sur elle, ou votre précieuse Lucie deviendra une fiancée du démon. Une courtisane de l'enfer. Vous n'êtes qu'un vieux buzard malade. Écoutez-moi, mon jeune ami. Lucie est loin d'être la victime d'un regrettable hasard. Sachez-le, non. C'est une fidèle recrue, une prostituée volontaire, une débauchée volontaire. J'ose le dire, c'est une fanatique dévouée. C'est la concubine du démon. Ne comprenez-vous pas? Pourtant, nous pouvons encore sauver sa merveilleuse âme. Mais pas question de le faire l'estomac vide. Jack! Monsieur? Ha! Je meurs de faim. Donnez-moi à manger. Et un fou! Tous ces charlatans et leurs folles imprécations ne peuvent immuniser contre mon pouvoir. Condamne à devenir une morte vivante, dévorée par une soif éternelle, une soif de sang frais. Mortel. J'ai...
Je sais que vous l'aimiez profondément. C'est pourquoi vous devez avoir confiance en confiance moi. Confiance ? Comment le pourrais-je ? Je veux que vous m'apportiez avant la nuit un jeu de scalpel post-mortem. Une autopsie ? Lucie ? Non, 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 pas tout à fait. Je ne veux que lui couper la tête et lui arracher le cœur, mais... John. Journal, 17 septembre. Pauvre Jonathan. Il souffre encore tellement. Mais les rues familières de Londres le réconfortent. Pour moi, maintenant que Lucie n'est plus, c'est un retour bien funeste. Comme si une partie de moi était morte, elle aussi. Il ne me reste que le faible espoir au fond de mon cœur de revoir un jour mon prince. Est-il ici ? Maintenant que je suis mariée, je commence à comprendre la nature de mes sentiments envers mon étrange ami, qui ne quitte plus mes pensées. Jonathan ? Qu'y a-t-il ? C'est lui en personne. Il a rajeuni. Messieurs, devons-nous profaner la tombe de cette pauvre Lucie ? Sa mort seule fut assez horrible. Si elle est vraiment morte, nous ne pourrons lui faire aucun tort. Mais si elle n'est pas morte, bah... Mais qu'entendez-vous par là ? Qu'on aurait pu l'enterrer vive ? Non. Tout ce que je veux dire, c'est qu'elle est non morte. Non morte. Oh, c'est insensé. Mes amis, allons-y. Un, deux, trois. Où est-elle ? Mais où est-elle ? Qu'est-ce que vous en avez fait ? Elle vit par-delà la grâce de Dieu, elle s'est aventurée au-delà des ténèbres. C'est un vampire, Nosferatu. Ces créatures ne meurent pas comme l'abeille à la première morsure, mais ils gagnent encore en force et deviennent immortels une fois infectés par un autre Nosferatu. Non, mes amis, nous n'affrontons pas une bête, mais des légions qui ne cessent de s'enfler siècle après siècle, suçant jusqu'à la mort le sang des vivants. Vite, cachez-vous ! Cachez-vous ! Abandonnez les autres et venez vers moi. Mes bras, enfin de vous, mon amour. Caressez-moi et embrassez-moi, mon cher époux. Je vous en prie. Le Christ est avec nous et son sang est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous.
Le Seigneur est des nôtres et son pouvoir est immense. Le Seigneur est des nôtres et son pouvoir est immense. Ex umbris in nudo. Au monde obscur de l'inconnu, je t'arrache et je te bannis, prince des ténèbres, en enfer. Un peu de courage et tout sera terminé. Prenez le pieu dans la main gauche. Placez la pointe sur le cœur. Et au nom de Dieu, frappez, maintenant! Mangez, festoyez. Vous aurez besoin de vos forces pour les sombres jours à venir. Mina? Docteur. Hein? Comment Lucie est-elle morte? Bien. Est-ce qu'elle a beaucoup souffert? Oui, elle a beaucoup souffert, mais on lui a coupé la tête et enfoncé un pieu dans le cœur et on l'a brûlé et elle a enfin trouvé la paix. Docteur! Je vous en prie. Monsieur Harker, je dois vous poser une question étant votre médecin. Une question délicate. Durant vos infidélités avec ces créatures, ces femmes démoniaques, avez-vous un seul instant goûté leur sang? Non. 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 Parfait! Dans ce cas, votre sang n'a pu être corrompu par cette affreuse maladie qui a détruit la pauvre Lucie. Je veux que vous compreniez une chose. Je refusais la vérité. Je croyais devenir fou. En fait, c'est la peur qui me paralysait. Je sais. Mais, monsieur, je sais à présent où ce monstre a trouvé abri. Je le lui ai procuré. Dans l'abbaye de Carfax. Les vampires ont toujours existé. Et celui que nous combattons, celui que nous affrontons, a la force de 20 hommes ou même plus. Et vous pouvez en témoigner, monsieur Harker. Mais il peut aussi contrôler des êtres vils, les chauves-souris, les rongeurs, les loups. Il peut devenir brume, vapeur, brouillard et disparaître à volonté. Oui, Dracula peut faire toutes ces choses, mais il n'est pas libre. Il doit reposer dans la terre sacrée de sa patrie pour régénérer son pouvoir. Et c'est là que nous devons le débusquer et le détruire à jamais. Jack? Presque de la pitié pour un être aussi pourchassé que ce comte. Comment pouvez-vous plaindre une telle créature? J'accompagne Mina jusqu'à mes quartiers. Bien, vous y serez en sécurité. Monsieur Morris, vos balles ne lui feront aucun mal. Il faut lui trancher la tête. Je vous conseille d'utiliser votre couteau de chasse. Je ne comptais pas l'approcher d'aussi près, docteur. Venez! Maître! 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 Docteur Jack! Il m'a promis la vie éternelle! Docteur Sua, qui est cet homme-là? Monsieur Renfield, ce n'est pas un endroit pour vous, Madame Mina. Renfield? Il faut que je lui parle. Monsieur Renfield, surveillez vos manières. Voici Madame Harker. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Renfield. Il semble que j'ai fait de grosses bêtises. Je sais qui vous êtes. La promise que mon maître convoite. J'ai déjà un époux. Je suis Madame Harker. Mon maître m'a souvent parlé de vous. Que vous a-t-il dit, au juste? Il m'a dit qu'il allait venir. Il m'a dit qu'il allait venir pour vous. Je vous en prie. Il faut...
faut vous en aller. Allez-vous-en loin de ces hommes. Je vous en supplie. Oui, je prierai Dieu de ne jamais revoir votre charmant visage. Puisse le Seigneur vous bénir et vous préserver. Maître! Maître! Vous me promettez à moi la vie éternelle, mais en fait, vous la donnez à la jolie fille! Docteur Jack! Je ne suis pas un aliéné! Je suis un homme sain d'esprit de battant pour son salut! Mes quartiers sont très humbles, mais confortables. Docteur Jack! Tenez, mon nécessaire de toilette est à votre disposition. Docteur Jack! Je ne suis pas un aliéné! Ici, vous serez vraiment à l'abri. Détruisez toutes les caisses et stérilisez la terre. Ne lui laissez aucun refuge. Que l'exorcisme commence. Renfield, vous m'avez trahi. Non. Non, maître. Non, je n'ai... Je ne sers que vous. Je sers votre seule cause. Adiurete serpent antique, periudicam. Vivorum et mortuorum, per fatum, per mortuorum mundi. Pereum, qui abetan, in gada, incum metu festinus, gastella! Jamais vous ne m'embrassiez. Oh, je vous croyais mort. Il y a longtemps que ce corps est un corps sans vie.
faut que je le sache. Il le faut, dites-le-moi. Je ne suis rien. Dépourvu de vie. Dépourvu d'âme. Je ne comprends pas. Détesté et redouté. Je suis mort aux yeux du monde. Écoutez-moi. Je suis ce monstre que les hommes de chair veulent tuer. Je suis Dracula. Comme moi, condamné à errer dans les ombres de l'enfer pour toute l'éternité. Je vous aime trop pour vous damner. Alors, emmenez-moi loin de ce monde de mort. Avec vos idoles.
centaines d'années avant votre temps. Vos armées furent vaincues. Vous avez torturé et empalé des innocents par milliers. Votre dieu m'a trahi. Regardez, voyez ce que votre dieu a fait de moi. Vous avez perdu votre guerre contre Dieu. Vous devez payer pour vos crimes. Le Christ est avec nous. Elle est à présent ma promise. Nous avons au moins appris une chose. Dracula a peur de nous. Il a peur du temps. Si tel n'est pas le cas, pourquoi tant d'empressement? Il est parti. Comment le savez-vous? Il me parle. Son esprit est intimement lié au vôtre. Son cœur avait assez de force pour survivre à la tombe. Vous l'admirez? Oui. Il mena réellement une vie stupéfiante. Et son esprit fut d'une puissance fort peu commune. Mais d'autant plus grande est la nécessité de le faire disparaître et de l'anéantir. Docteur. Oui. Je sais que je serai bientôt comme lui. Votre salut viendra de sa destruction. Et c'est pourquoi je veux vous hypnotiser. Aidez-moi à retrouver ce monstre, Mina. Avant qu'il ne soit trop tard, je vous supplie de m'aider. Mina, regardez cette chandelle. Soleil de tous les soleils, regardez cette flamme. Vos paupières s'alourdissent. Il vous faut dormir. Dormez à présent. Dormez, dormez. Il faut que je le rejoigne. Il m'appelle. Mais que dit-il? Qu'entendez-vous, mon enfant? Qu'entendez-vous? Oh, mon prince m'appelle. Il regagne sa patrie bien-aimée à travers des océans de glace. Il y retrouvera sa force. Et j'accours vers lui pour participer de cette force. Notre train a quitté Londres et nous avons traversé la Manche ce même soir par une mer démontée, sans doute à cause du passage du navire du comte. Il commande au vent, mais nous conservons l'avantage. En train, nous pouvons atteindre le port roumain de Varna en 3 jours. Par la mer, il lui faudra au moins 1 semaine. Depuis Paris, nous avons traversé les Alpes vers Budapest. Le comte doit contourner le rocher de Gibraltar, où nous avons posté une vigie. Il poursuivra vers la mer Noire et le port de Varna, où nous attendrons son navire et le brûlerons en mer. Le vampire l'a bien baptisé de son propre sang. Et elle en meurt aujourd'hui, mes amis. C'est sans espoir. Mina. Je refuse de vous laisser affronter seul ce monde inconnu. Oh, mon pauvre cher Jonathan. Oh, mon Dieu, que vous ai-je fait? Non. Non, non, je suis responsable pour nous deux. Je l'entends, il approche. Je l'entends, il me réclame. Mina. Mina. Ne me quittez pas. Je vous en prie. J'ai tellement froid. Ah,
Midi. Holmwood a reçu un câble de son avoué, Alla Lloyd. J'ai du nouveau. Le navire du comte nous a dépassé dans le brouillard de la nuit et fait route vers le port de Galatz, au nord. Ce noir démon lit dans les pensées du Mina. Comment pourrons-nous l'arrêter? Varna, Galatz. Environ 200 miles. Avec des chevaux, nous devons pouvoir lui couper la route, l'atteindre avant qu'il n'atteigne le château. Je vais envoyer Van Helsing vers le col de Borgo. Si nous échouons dans notre tâche, vous devrez en finir avec lui. À Varna, Mina et Van Helsing partirent en calèche. Et nous continuâmes en train en direction de Galatz, où nous espérions toujours intercepter le comte avant qu'il n'accoste. Je suis empli de crainte pour Mina. Elle est à présent notre leurre. Je connais cet endroit. C'est le bout du monde. Nous devons continuer. Il est tard, mon enfant. Il faut nous reposer. Non, nous devons continuer. Mina! Il a besoin de moi. Mina! Nous devons continuer. Nous avons dépassé Bistritza. Dracula s'est à nouveau joué de nous. Nous avons appris que ces bohémiens ont déchargé la caisse du vampire à Galatz et font à présent route vers le col de Borgo. Tenez, il faut manger. Je n'ai pas faim! Mina! Gentil avec moi, professeur. Et je sais que Lucie brûlait d'une passion secrète pour vous. Elle me l'a avoué. C'est aussi ce que les hommes désirent. Allez me couper la tête. Est-ce que vous m'enfoncerez un pieu dans le cœur comme à cette pauvre Lucie, espèce de sac meurtrier? Non! Pas tant que je vivrai! J'ai juré de veiller sur vous! Perfectorem tuum! Perfectorem mundi! Que vous protégera. J'ai perdu Lucie. Je ne la laisserai pas vous prendre. Courtisane de Satan. Je préfère Noy. Je suis en Terre Sainte. Quittez ce lieu, je vous l'ordonne. Partez. Au nom du Seigneur, quittez ce sol. Je vous bénis tous au nom du Christ.
amour. Il livre une course contre le soleil. J'espère qu'il sera trop tard. Laissez-les partir. Notre œuvre est terminée. La sienne vient de commencer. Quincy. Nous sommes devenus des fous au service de Dieu. Tous. Mais oui, mon Dieu. Il m'a
présence de Dieu, je compris enfin comment mon amour pouvait nous délivrer tous de l'emprise des ténèbres. Notre amour est plus fort que la mort. Donnez-moi la paix.
Jésus.